un dragon. Oui, bien sûr. Et danser. Oui. Comme un dragon. Peux-tu rire comme un dragon? Dormir comme un dragon. Gambader, pirouetter ou même voler. Viens t'amuser si tu cherches l'aventure. Viens vite chez Arthur. Arthur, Arthur le dragon. Arthur, Arthur le dragon. Les aventures d'Arthur le dragon. Je m'ennuie. Oh, Mathieu! J'arrive! Mathieu! Plus de patience. Tiens, je t'ai apporté une scène au Big Dragon. J'ai pas soif. Mais tu m'avais demandé de t'en faire une. J'en veux plus. Oh, je m'ennuie. Y'a rien à faire. Je veux sortir du lit. Tu ne peux pas te lever. T'es malade. Je me sens bien, même très bien. C'est juste que... Comment t'as fait pour attraper la grippe? J'en sais rien. Mystère. Je prends bien soin de moi. Pas toujours. Je t'ai vu sauter des repas. Pas souvent. Arthur, je suis un détective. C'est vrai. Il m'arrive des fois de sauter le déjeuner. Et puis tu ne t'habilles pas assez chaudement. Je m'habille pas du tout. Justement, tu t'exposes. À quoi? Au virus. Oh! Bah, tu me connais bien. Je suis un dragon qui aime manger. Je mange tout mon dîner. Et le soir, un bon souper. Mais un matin très tôt, je venais à peine de m'éveiller. J'ai oublié de manger mon petit déjeuner. Je me suis mis à avoir faim tout en marchant dans la forêt. Je n'avais pas mis mes mitaines et puis j'ai eu très froid aux doigts. Et puis soudain, je me suis senti malade. J'ai senti un virus qui s'emparait de moi. Yeah. Je suis allé chez le docteur et le docteur m'a dit, il dit: Bon, non, reste au lit. Mais je m'ennuie. Reste au lit. Je veux me lever. Je te l'ai dit. Je suis pas fatigué. Reste au lit. Reste au lit. C'est Vivi. Arthur, mais qu'est-ce que tu fais au lit? Mais lève-toi. Oh, je pensais qu'on allait se balader ensemble aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Vivi. Marie-Victoire de mon vrai nom, mais c'est beaucoup trop long, tu ne trouves pas? Tiens, une bonne poignée de main. Alors appelle-moi Vivi. Moi, je m'appelle Mathieu. Mais ton nom m'appelle Matt. Alors, je peux me lever? Oui, bien sûr. Non. Non? Il est malade. Je suis pas malade. J'ai juste un petit... Wow, c'est vrai que t'es malade. Je me lève. Pas question. Si tu éternues comme ça, tu restes au lit. Laisse-moi prendre ta température. Tu sais, j'ai été docteur, moi, il y a de ça bien des années. T'as le front un peu chaud. Est-ce que tu as froid aux pieds? Un petit peu. Matt, irais-tu me chercher une bouillotte, s'il vous plaît? J'y vais. Mais Vivi, je veux me lever. Non, tu dois te reposer au lit. C'est ce que le docteur m'a dit. Ah, il avait raison. Tu dois boire beaucoup. Prends beaucoup de liquide. Tiens, comme ça par exemple. C'est une tisane au baie de dragon. Tu sais, quand on ne prend pas bien soin de soi, on se sent faible et fatigué. T'en veux une petite tasse? Non, merci. Et puis un beau jour, il y a un virus qui passe. Et puis, presto! On tombe malade. T'en prendrais pas une petite tasse? Oh, regarde-moi ça! Un navire de pirates!
Oh, est-ce que je t'avais raconté que la mère de ma grand-mère était pirate? Oh. Je savais pas. Toujours à l'aventure. Écumer les mers, se faire passer à la planche. Oh, elle a tout vécu. Ah, frégate à bâbord. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, mais ça sonne tellement bien, tu ne trouves pas? Ah! Hé, hey, peut-être que t'as attrapé la grippe des pirates. Tu sais, les pirates l'attrapaient souvent. Oui. Absolument. D'ailleurs, ils auraient dû rester au lit, eux aussi, les pirates. Mais oh non, pas eux. Ils tenaient beaucoup trop à leurs aventures. Ah! Frégate à bâbord! Hé, oh! Entamez les écoutilles! Plein vent, debout! Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, tout ça! Aucune idée, oh, mais ça sonne tellement bien! Es-tu encore faux, Pierre-Tur? L'eau chaude va te faire du bien. Mmh. L'eau. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Je me rappelle que je dormais dans mon lit et là, je flotte dans mon lit! Oh! Heureusement que je porte un gilet de sauvetage! Mais qu'est-ce qui se passe? Et où suis-je? Ça doit être un rêve? Oh! Oh tiens! Un message dans une bouteille? Oh! Qu'est-ce que ça te dit? Ceci est un rêve? Tu es dans une bouteille. Oh, c'est ce que je pensais. Oh, je vais la recycler. Ahoy, du radeau! Toi là, sur le lit, es-tu un ami ou un ennemi, hein? Oh, moi? Un ami? Pas un ennemi! Pas moi! Non, non! Dans ce cas, monte à bord de mon navire de pirate! Mais comment t'as fait ça? Aucune idée. Mais Vivi, c'est bien toi? On m'appelle Pirate Vivi! Pirate Marie-Victoire de mon vrai nom, mais c'est beaucoup trop long, tu ne trouves pas? Et toi, qui serais-tu? Je suis Arthur. Arthur le dragon. Oh, mais tu le sais déjà. Saurais rien de la sorte. Je n'ai jamais vu de dragon avant de... Cette grippe de malheur de pirate. On m'indique que pour la grippe des pirates, il faut rester au lit. Rester au lit? Moi? Jamais. Jamais Pirate Vivi ne resterait au lit. Surtout quand on s'apprête à partir à l'aventure. Mais où est mon matelot? Jaco? Jaco vu Jaco ici. Ah, t'as vu l'enfer, toi! C'est Jaco! Mais... Oh! Monsieur Rouge-Gorge? Mais... Lui, il serait un perroquet! Oh, vraiment? Oh, on dirait Rouge-Gorge? Il serait un perroquet! Il serait mieux d'être un perroquet! Oui! Un perroquet, Jaco-Jacasse! Qu'est-ce que tu veux faire? Le congé des ennuis? Non, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'essaie de me faire un petit revenu supplémentaire pour l'anniversaire de Madame Rouge-Gorge. Oh, je comprends bien. C'est un rêve, Arthur. Ce n'est qu'un rêve. Jaco et moi, on sillonne les mers à la recherche d'un trésor. Oh, un trésor! Un trésor? Quelle sorte de trésor? Le trésor le plus précieux de toutes les mers! Le remède efficace contre la grippe des pirates! On le prend et pouf! Elle disparaît! Cette grippe de malheur! Pas vrai? C'est vrai! C'est toujours vrai. Quand on est pirate, qu'on sillonne les mers, on brave toutes les tempêtes, on prend l'air marin. Quand on est perroquet, qu'on s'appelle Jaco, on sert le capitaine. Sinon, tu y trouveras ta peine. Les voiles vont hisser, et partons naviguer, on cherchera notre butin, et on le trouvera bien.
Odyssée. Heureux des secrets, celui qui soulageait la grippe des pirates pour guérir la grippe des pirates. Quand on est dragon et qu'on est bien sage, on vient sans riposter, membre de l'équipage, même si ce n'est qu'un rêve. On travaille sans trêve, où tu dors au fond de l'eau, et c'est ainsi que ta vie s'achève. Les voiles font hisser, partons naviguer, on cherche le butin, et on le trouvera bien ici. Celui qui soulageait la grippe des pirates pour guérir la grippe des pirates. Quand on est pirate, on a peur de la grippe. Quand la fièvre vous prend, elle vous prend aux tripes. On cherche notre butin, il faudra le trouver. Rien de plus redoutable qu'un pirate qui a le nez bouché. Les voiles faut hisser, partons naviguer, on cherchera notre butin, et on le trouvera bien hissé. Un remède secret, celui qui soulagerait la grippe des pirates, pour guérir la grippe des pirates. Oh. Cette grippe de malheur! Jaco, monte jusqu'où on est depuis et va me chercher la carte qui démontre l'emplacement du trésor. Mais ben bonjour! Le nid de pie, c'est où encore? Le nid de pie? Oh! Oh! Là-haut! Oh! Le nid de pie, je suis un perroquet, pas une pie, moi! Nous, un rouge-gorge! Silence! Ah! À vos ordres! Et quant à toi? Vos ordres? Si tu me jures que t'es pas un ennemi, t'en es bien sûr, un dragon de malheur? Oh non, pas un ennemi, pas moi, non, non, non. Bon, bien alors je vais te montrer ma carte secrète. Oh, fantastique! Je vais... Oh, t'as la grippe des pirates, t'as la grippe toi et tout! Oh. Mais ça serait pour ça que tu serais dans ton lit? Bien, je sais pas si c'est la grippe des pirates, mais j'ai le buisson un peu bouché. Ah ah! T'essaierais de me prendre ma carte secrète? T'essaierais de me donner ta maladie? Oh non, pas vraiment. Je suis juste endormi dans mon lit. Je fais le rêve. Je vais te faire passer à la planche. Ça ne va pas tarder. Oh. En tout cas, j'espère que c'est un rêve. Je peux pas passer à la planche, moi. Et pourquoi ça ne pourrait pas? Le docteur m'a conseillé de garder le lit. Et si je passe à la planche, je vais être encore plus malade. Et alors là, ça sera votre faute. Hein? Si je passe à la planche, faudra que j'y passe dans mon lit. Et ensuite? Vas-y! Vas-y, dépêche! Saute! Hé, y a pas de presse! Dis donc, l'eau a l'air un peu froide. Oh, mais tonneur de tonneur, vas-y, je vais pas attendre ici toute la journée, moi. Mais tu sais bien que j'ai un trésor à trouver. Le remède efficace contre la grippe des pirates. Je vous l'ai dit, pour la grippe des pirates, faut rester au lit et boire beaucoup de liquide. Eh ben justement, toi, tu vas en boire une grande tasse. Oh. Ce serait le moment parfait pour que je sorte de mon rêve. Saute donc, pardi! Je peux pas sauter, je suis dans mon lit. Donnez-moi une poussée. Une poussée. Oh, ça va. Juste pour cette fois. Adieu, dis bonjour au poisson. Arthur, c'est toi. Entre vite, n'aie pas peur. Wow, quel rêve bizarre! Dans le ventre d'une baleine? Oh tiens, un coffre à trésors!
Peut-être que la pirate a raison. Peut-être qu'il contient un remède contre la grippe des pirates. Verrouillé. Alors, qu'est-ce que je fais? Tiens donc, un message dans une bouteille. Je me demande bien ce que ça dit. Demande donc à Irène d'éternuer. Oh, bonne idée. Hé, Irène, pourrais-tu éternuer? Mais bien sûr, Arthur. Avec cette grippe, j'éternue tout le temps. C'est sauf. Heureusement que je suis dans mon rêve. Sinon, ça ferait mal. Jacques, on veut un docteur. Jacques, on veut un docteur. Où est mon lit? Oh, je suis encore malade. C'est vrai, je devrais être au lit. Vous aussi, peut-être. Oh, je le vois. En bas. Mais c'est le coffre à trésor. Quel coup de chance, je l'ai trouvé! Oh, quelle magnifique foi de pirate! Enfin, je tiens le remède rapide contre la grippe des pirates! Verrouillé! Jaco! Apporte-moi les clés de Tibia sur le champ! Elle a trouvé le trésor. Apparemment. Elle y tient vraiment à se remettre contre la grippe des pirates. Bon, moi, je veux mon lit. Oh, je voudrais redescendre dans mon lit et puis me reposer. Ça me prend un plan. Oh, tiens, il y a un autre message. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, regardons. Oh, tu pourrais te déguiser. Pourquoi pas? Ça pourrait peut-être marcher. Jaco! Je viens! Je viens! Comment ça se fait que c'est toi qui as trouvé le trésor? Oh, c'est mon rêve, pas le vôtre. Est-ce qu'il y aurait un bac de recyclage sur ce navire? Dis donc, t'en as mis une éternité! Trouver autre pirate! Trouver encore pirate! Et qu'est-ce que tu racontes, hein? Parle! J'essaie de vous dire que j'ai rencontré un autre pirate! C'est moi! Qui serais-tu? Oui, capitaine! Qui suis-je? Oui? Qui serais-tu? Je serais... Dis-moi, qui suis-je? Lui serait Matelot, ventre orange! Justement! Voilà qui je serais! Ventre orange! Le ventre le plus orange de toutes les mers! Vous me permettez que je m'étende? Oui, comme tu voudras. Je serai Pirate Vivi! Pirate Marie-Victoire de mon vrai nom, mais c'est beaucoup trop long, tu ne trouves pas? On trouve! Tu ne mettras jamais la main sur mon trésor, ventre orange, jamais! N'en voudrais point. Je voudrais juste me reposer un peu. De l'or! De l'argent! Des diamants! Des rubis! Des perles! Des émeraudes! Et ceci! Le remède efficace contre la grippe des pirates! Ventre orange! Oh, Jaco! On a gagné! On a gagné! Pirate Vivi, il ne faut pas prendre le médicament sans avoir consulté le docteur! C'est vrai! On ne sait pas ce qu'il y a dedans! Mais je comprends tout! Tu ne serais pas le matelot au ventre orange! Tu serais le dragon qui a la grippe des pirates et tu voudrais me voler mon trésor! Non, c'est un ami à moi! Vous voulez tous me voler mon trésor, mais vous ne l'aurez jamais! Je veux juste rester au lit. Eh bien pour ça, tu vas y rester!
Comment il a fait? C'est un rêve, tu t'en souviens? Oui, un rêve. Heureusement que nous portons des gilets de sauvetage. Ah, mais allez, mais sautez donc, dépêchez-vous! Il n'y a pas de presse. Elle me presse tout le temps. Mais j'ai hâte d'ouvrir mon remède efficace contre la grippe des pirates! Tu sais, Arthur, le moment serait bien choisi pour que tu te réveilles de ton rêve. Oh, à qui le dites-vous? Ah, mais sautez donc à la fin! Une petite poussée, s'il vous plaît. Une petite poussée! Nous y revoilà. Où sommes-nous? Mais dans une baleine? Mais moi, je suis inquiet pour Pirate Vivi. Oh, Arthur, on gèle dans le ventre d'une baleine qui va bientôt nous manger et tu t'inquiètes de Pirate Vivi? Oh, flacon qu'elle a trouvé. Elle ne sait pas ce qu'il contient. Ça pourrait être poison. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'arrive pas à l'ouvrir! Oh, tonnerre de tonnerre, mais c'est un flacon à l'épreuve des pirates! Mais il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour me l'ouvrir! Oh, dragon! Oh, Jaco! Il faut un plan! Un plan, oui! Mais lequel? Oh, tiens! Quoi? Un autre message! Qu'est-ce qu'il dit? Donnez-le-moi! Bon! Fais la même chose qu'avant! Oh, bonne idée! Eh oh, Irène! Pourrais-tu nous aider? Avec plaisir! J'ai encore la grippe de pirate et je... Tenez-vous bien! Tu sais, on pourrait même recycler la bouteille! Ça peut pas continuer. On aurait pu se blesser. Oh, le ribot est tombé sur du mou. Jaco veut un docteur. Jaco veut définitivement un docteur. Oh, gentil dragon. Où serais-tu, Arthur? Tu ne voudrais pas être malade, hein, mon petit Arthur? Oh, tiens, mon petit Arthur, Vivi m'appelle comme ça. Peut-être qu'elle sera gentille. Peut-être que non. Peut-être qu'on devrait l'aider. Peut-être que tu veux revoir le ventre de la baleine, mais pas moi. Mais si on lui laisse prendre ses pilules, ça pourrait être très, très dangereux. Oh, Arthur, viens donc en aide à une pauvre pirate. Oh, la pauvre pirate. Ne compte pas sur moi. Il n'y a rien au monde qui me ferait redescendre. Jaco, viens jacasser. Bon, je vais y aller. Mais après, il faudrait bien que je commence à chercher le cadeau de Madame Rougegorge. Oh! Vous en avez mis du temps. On s'excuse. J'ai besoin de vous pour ouvrir mon trésor. Ce flacon est à l'épreuve des pirates. Alors, je ne peux pas l'ouvrir, moi non plus. Et pourquoi pas? Parce que ce flacon est aussi à l'épreuve des enfants. Ce qui est à l'épreuve des enfants est à l'épreuve des dragons. Hein? Pourquoi ça? Parce que les dragons sont comme des grands enfants. Tonnerre. Je vous dis, il faut ouvrir ce sacré flacon, sinon... Sinon? Quoi? Oh, non! Bon. J'en ai assez de la baleine, alors je vais l'ouvrir. Donne-le-moi. Je ne suis ni enfant ni pirate. Je suis un rouge-gorge. T'es un perroquet! Comme tu voudras. Ah! Tiens, t'es vissé. Un autre message.
Qu'est-ce que tu lui as fait? Il n'y a rien dedans. Rien du tout? Pas de pilule. Oh. Juste un petit message. Un message dans une bouteille. Encore? Et qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de remède efficace contre la grippe des pirates. Il faut garder le lit et prendre beaucoup de liquide. C'est tout! C'est tout! Bien, c'est justement ce que vous avez dit tantôt. Arthur! Arthur! Réveille-toi! Qui c'est ça? Je n'en sais rien! C'est Mathieu? Arthur, est-ce que tu m'entends? Réveille-toi! Arrête d'agiter la bouteille, Mathieu! Arrête! Je suis réveillé! Je suis réveillé! Non, tu dors! Tu dors! T'es dans un rêve! Oh. C'est vrai! Je rêvais! Je rêvais! Oh, mais oui! C'est ça! Je rêvais! Enfin, t'es réveillé! Arthur, t'as bien dormi? Dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Quel rêve étrange. Vivi, dedans, tu étais une pirate. Vraiment? Monsieur Rouge-Gorge était là aussi. Charles, il était quoi, lui? Un perroquet. Un perroquet? Monsieur Rouge-Gorge, un perroquet? Il cherchait un cadeau pour Madame Rouge-Gorge. Oh, quelle grande aventure! Une grande aventure? Énorme! Il y avait un vieux navire qui écumait les mers. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? J'avais la grille des pirates. Je restais dans mon lit. Reste au lit, lit, lit. C'est ce que je fais. Reste au lit, lit, lit. Je prendrais bien une tisane. On te l'a dit, dit. Mais je me sens déjà mieux. Resto! Resto, lit! Tu parles d'un beau rêve? Et si je me rendormais, je verrais la fin? Voilà! Oh, Yvette! Yo, Yvette, j'ai une surprise. Peux-tu jouer comme un dragon? Oui, bien sûr. T'amuser comme un dragon? Oui, bien sûr. Bavarder comme un dragon? Oui, bien sûr. Et danser? Oui, comme un dragon. Peux-tu rire comme un dragon? Dormir comme un dragon? Gambader, pirouetter ou même voler comme un dragon? Et chanter comme un dragon? Chanter! Arthur, Arthur le dragon. Arthur, Arthur le dragon. Pour rire ou chanter, pour bien t'amuser, si tu cherches l'aventure, viens vite chez